Il n'a pas fait le perroquet. Comment tu jettes l'enfant? C'est moi qui l'ai jeté. C'est toi, ok. C'est elle qui s'est jetée. Bon. Mets-toi là, on parle. Une femme depuis hier. On a dormi. Ah mon bébé. Ah mon bébé, bébé, bébé. Ah mon bébé a tué. Tu sais que la banque a chanté ça a tué, non? Ils ont tué. Bon. On dit, bon, il y a beaucoup de versions. Hein. On dit que c'est sa voiture qui était là. On dit que. Bon, il y a beaucoup de versions. C'est l'homme camerounais. Et c'est une histoire qui dure depuis juillet. C'est une vieille histoire, en fait, qui revient maintenant. Parce qu'on a tué un corps. Ah, mon bébé. On dit bonjour. On dit bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour. Banjo. Mbanjou. Les gens viennent me réveiller le matin. L'heure que tu as encore dormi. Votre grande sœur. Votre grande sœur. La cuisinière internationale. Et Teke Gabriel. Ils viennent me réveiller. Quand on est en train de dormir. Ok. Bébé de 3 mois. On dit que tu fais comme le pingouin. C'est vrai. Non, je comprends, je te comprends. Ils viennent me réveiller. Est-ce que vous trouvez ça normal? Question. Maliba Pepe. Bonjour avec des cœurs. C'est gentil. Merci. Merci. Et bonjour. Bonjour. Ben, je voulais vous dire bonjour, que j'ai bien dormi. J'ai dit que décidé que maintenant, le matin, dès que je me réveille, je suis encore sur le. C'est ma mère qui m'appelle. Comme elle a une mission, je lui ai donné une mission depuis hier. Elle veut savoir si c'est toujours d'actualité. Mais pour l'instant, je suis en direct. J'ai coupé son appel. Et elle voulait dire bonjour aussi à sa petite fille. L'enfant, c'est son arrière-petite-fille. Son arrière-petite-fille. Et son arrière-petite-fille, si aime le Congo, ça, quand il lance le direct, il y a comment il a positionné. Tu adores le Congo, ça, comme Mbo. Je ne vous ai pas raconté là, ce que Mbo m'a fait dimanche. On était au Batoubaï. Hé hé! Mbo m'a fait ça du. Alors, comment vous avez dormi? Comment vous préparez ce matin? Qu'est-ce que vous allez faire à manger? La journée, comment vous la prêtez? Mbo, tournez les sales quittes là-bas. Pas Mbo. On te fait la capture, on va dire que ton nez était sale. Elle n'est pas contente du fait que je l'ai enlevée là. Elle aime le téléphone. Tiens, bébé, tiens, mon cœur. Allô, madame. Voilà. Tiens. Allô. Fermez la bouche à la tante. Elle est en direct. Donc, j'ai dit, je me levais ce matin pour vous dire bonjour. Je ne veux pas de langue, hein, juste pour vous dire bonjour. Voilà. Et vous dire que j'ai passé une très bonne nuit. Mon programme d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de marche à faire. Hein. Je dois enlever la crête de coq là que j'ai sur la tête déjà. Je dois aller enlever ça. Puis. J'ai fait quelques petits soins. Hein. Vous savez, j'ai un mariage samedi. Je dois être jolie, belle. Je suis essoufflé. Donc, j'ai beaucoup de marches. J'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, non. Donc, ils sont en train d'agresser ma mère le matin. Ils disent à ma mère d'envoyer l'argent. Ouais, non. Tu dis après quoi? Voilà l'autre lionne qui dit que après quoi? Tu dis quoi? Ils sont en train de menacer ma mère. Ils disent que ma mère doit envoyer l'argent. Ils ne savent pas que ma mère lui a dit, ma mère lui a arrêté, ma mère ne travaille plus. Je vais dire ça, laissez ma mère tranquille, laissez ma mère. mais elle est là que quand ses soeurs sont malades, elle les envoie l'argent. Mais quand ses enfants sont malades, ils n'envoient rien. Je vais dire. Non, il veut clasher ma mère aussi bientôt, mon frère. Il m'en fout. Dis qu'il veut la clasher. Gabi, dis à ta mère qu'il veut le clasher. Dis à ta mère qu'elle est convoquée ici là-bas. Elle demande sa valise. Elle demande sa valise. Ouais. Dis à papa de donner la valise de ma mère. Je lui ai rien dit. Il a passé le message. Dieu l'appelle Achille. Dieu l'appelle Achille. Quand Achille la doit aller, il passe encore là-bas. Au voilà. Là. Demande que. Écoute d'abord même, non. Elle a commencé à regarder la valise. Il y a les choses de ses enfants dedans, les choses de ses petits-fils. Elle ne peut pas laisser la valise là. Tu appelles Achille comme il a droit là. Il passe à. Il prend un petit coup d'œil. Elle demande que tu appelles Achille comme il a droit là. Mais le gendarme m'avait dit à des fois que c'était pas encore arrivé.
La dernière fois, quand moi, il descendait, on était là-bas. Voilà, le gendarme avait dit quoi? Gabi, faut se dire, parce qu'elle dit que je suis malhonnête. Elle sait que... descendait sur Yaoundé, on a elle dit que... Elle pas dit que malhonnête, non. Bon, pardon. Pardon, appelle ta fille. Hein. Tu lui demandes... Je suis en direct. Elle est en direct. Elle appelle Achille. Qu'elle n'essaye même pas de m'appeler. Qu'elle appelle Achille. Elle est en direct. Que tu appelles Achille. Mais ma mère va donner les coups. Ma mère a beaucoup de travail à faire. Hein. Donner... apprendre à certaines personnes à utiliser le téléphone. Achille a le WhatsApp. Maintenant, à décrocher le téléphone. Appelle Achille, il a le doigt là. À utiliser le téléphone Android. Oui. Ma mère a le travail. Ma mère a le travail pour apprendre à certaines personnes à utiliser le téléphone Android. Nyanga Wadajama. Nyanga. La meilleure copine, ma meilleure copine, le 9. Vois, yeah, je suis en train d'arranger. Oui, non, moi, je suis en train d'arranger la situation de la mère du 9. On parce qu'il ne faut pas qu'on dise que. Grâce, tu te rappelles ici, là, hein, comment on insultait ta mère sur la toile. Oui. Tu te rappelles on a filé ta mère, on est tombé sur vous, non Oh, tu te calmes là, je suis en train de parler là. Tu te calmes. Oui, tu te calmes. Je te jette. Comment on a insulté ta mère? Apparemment, hier, je n'aime pas insulter. Je n'aime pas moi insulter. Je suis en train juste de dire. Mais bellement, ma mère sang. Viens, bonbon. Viens. Je vais la jeter là-bas. Ta vilaine grand-mère. Je vais te jeter. Là, tu m'as donné le coup de poing toute la nuit. Bonbon est vilaine. Je n'ai jamais insulté. Je n'ai pas. Je dis pas, je n'ai jamais insulté. Je n'ai pas insulté. J'ai dit que Marie-Josée va donner un coup de main à la mère de ma copine. Comme la mère de ma copine vient d'arriver, hein, ma mère va lui donner certains cours, lui montrer que le vert, le bonhomme vert, c'est pour traverser. Le bonhomme rouge, c'est pour attendre. Mm-hmm. Comment utiliser le téléphone? Décrocher et raccrocher. Parce que... comment on dit que ta mère a fait les camions? Comme ma mère... comme ma mère a fait les camions, et lui montrer aussi la route, lui montrer aussi la route des camions. J'ai vu déjà que on a quand même déjà commencé un début déjà lui mettre les collants. Les collants bleus. Comme ça, ma mère va mettre le collant noir. Elle va mettre le collant bleu. Elle va tenir sa main que vient à saut. On part. Donc, j'ai dit depuis hier que j'attendais ici Tafo et tout nous. Ce sont eux et les disciples de, du 9. Le 10 les appelle à la barre. Que maintenant alors, la vôtre est sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Question. On fait quoi d'elle? Elle est venue faire quoi? La vente du piment est finie, hein? Il n'y a plus. Vous avez entendu hier, Marie-Josée a dit qu'elle part prendre les cours d'informatique. Donc, elle est même prête à former votre maman. Elle est prête à former votre maman. Donc, vache folle, non. C'est ma copine, non, mon frère. Elle et moi, c'est balle au pied. C'est ma meilleure copine jusqu'à. À Kanké. Ma vanye, collant. Collant bleu, la basket bleue, la fourrure, mon frère, blague. Aïe, elle est positionnée. Aka robot. La que, allez, allez, na. Tingum. Ah bon, poste à Kama. Bagnon, on y a photo. On y a photo. Abaye Facebook. Maman, récupère la menang. Parce que challenge, mi maman. Il y aura le challenge de maman. Il y aura le challenge de maman. Oui, 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 il y aura le challenge de maman. On va positionner les deux gars, on les prend en photo. On dit maintenant alors que bon. Langa que vous avez insulté ici pendant des années. Merde. Je ne sais pas si on a insulté la mère de quelqu'un, comme on a insulté ma mère sur la toile. Comment on a insulté ta famille. Ma famille même. Caricaturé. Ma famille et moi-même avec jusqu'aux enfants malades. Je ne sais pas si je n'ai pas encore avoir le cœur. Malade et tout ça. On se moque des malades de ta famille.
Je ne sais pas si je peux avoir encore le cœur pour respecter la famille des gens qui m'ont insulté. Mais je n'ai pas insulté encore. Je n'ai même pas encore insulté. Vous avez insulté ma famille. Quand je dors, je vois ça. J'ai dit, mais je suis très, très bien élevé là. Voilà ma soeur qui est ici avec moi. Là. Vous l'avez insultée de tous les noms. Parce qu'elle a dit que vous ne savez pas quelle maladie va vous tuer. Et voici. Quand elle a vu 2019, elle a dit merci Seigneur. Et maintenant, votre mère aussi maintenant est sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? C'est la question que je veux que vous posez depuis hier. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Vous m'avez traité d'ingringa ici là pendant des années, mais je vois que votre mère est ingringa. Vous m'avez traité de sidéienne, de compréputre. Je vois qu'elle est venue se soigner peut-être du sida. Parce que la meilleure, le meilleur soin, j'ai dit que je, pour l'instant, hein, je veux m'occuper de vous. Mon camion est là-bas, sa chambre, c'est là qu'elle va travailler. Dans mon camion, avec ma mère. Comme ma mère, vous avez dit que ma mère travaille dans le camion. Ma mère va amener ta mère, ils vont travailler ensemble dans le camion. Et on va voir qui va passer sur le marché. Pendant combien d'années vous avez insulté ma mère? Jusqu'à mes cousines ont même appelé dans mes directs pour dire que laissez ma tante tranquille. Faites de perpétue ce que vous voulez. Mais ma tante, laissez ma tante. Vous oubliez trop vite. Attendez, pardon. On va voir mes soeurs aussi aujourd'hui. Ma grande soeur est là à côté de moi toujours. Elle a mis sa main comme ça qu'elle crache dedans. Elle va me taper ici. D'accord, vous êtes toujours en train de chercher les problèmes. Bon, je disais donc que je suis très sérieuse. Pendant plus de... Vous vous rappelez, il y a une période où je suis venue au Cameroun. Gabi, tu te rappelles la période que je suis venue au Cameroun là? Hein? Jusqu'à ce que toutes les filles là, les blogueuses, elles sont versées sur moi. Jusqu'à pour pouvoir me demander que pourquoi chaque fois que tu es au Cameroun, tu as toujours les problèmes. Toutes les filles là se sont versées sur moi, sans exception. Elles n'ont pas épargné même ma famille. Elles n'ont pas épargné ma mère. Pourquoi moi je veux aujourd'hui avoir pitié de vous? Bon, franchement, pourquoi moi je dois avoir pitié de vous? Parce que quand je vais dire un mot, on va dire que je n'ai pas de respect. Vous oubliez hier. Vous oubliez hier. Quand on a insulté ma mère sur la toile. Traiter ma mère de tous les noms. Quand je vois aujourd'hui, les gens disent, viennent dire que je n'ai pas de respect, je ne dois pas faire, je suis la mère Teresa, que comme je fais les dons, je n'ai pas le droit, vous mentez. Donc comme je fais les dons, je n'ai pas de cœur. C'est justement parce que j'ai un cœur. Donc quand on fait les dons, là, on n'a pas de cœur. Hein? Quand on fait les dons, là, on n'a pas de cœur. Voici ma grande sœur ici là. Elle prie beaucoup. Est-ce qu'elle avait répondu qu'on l'avait insulté? Mmh. Moi alors j'ai dit que j'ai toujours dit, j'ai des moments de pause. J'ai des moments. C'est pas maman. Ça, je suis un peu plus appelée, comme vous l'avez dit que c'est en direct. Ma mère comprend le français. Hein, et elle sait s'exprimer en français. Et elle écrit le français. Elle n'a même pas les lunettes pour lire. Hein. Voilà la femme que vous avez manqué de respect là. Donc, j'ai posé des questions depuis hier, vous ne me répondez pas. J'ai demandé, quand on a insulté ma mère ici sur la toile, ça n'a même pas suffi. Oh. Ça n'a même pas suffi que vous avez insulté ma mère. Vous avez aussi pris la photo de ma belle-mère, venir positionner. J'ai donc posé je pose donc la question maintenant. Votre mère maintenant aussi est déjà, il y a une de vos mères qui paraît qui est en France. On fait quoi d'elle? Je vous pose la question là depuis, vous ne voulez pas répondre. Gabi a les yeux là-bas là.
On vous fait le petit déjeuner ou pas? Mais ça fait. Les gens viennent chez toi le matin, ils doivent le petit déjeuner. Non, mais vous ne devez pas rêver aussi. Tu es le pape. Le pape. Tu n'es pas. Même quand tu es foiré, tu es crédible, ma soeur. Non, je signe partout. Non, mais là, il n'y a pas besoin de signer. Voilà, les voilà, le violon de là-bas. Là. Tu vas signer. Il suffit que je dise. Il y a une beau foire au frigo. Il suffit que je dise ici là maintenant. Je te lance des filles. Je te lance des filles. Je demande à un membre de la tête qu'il m'envoie quelque chose tout de suite là. Tu vas voir. Va me dire, tu vas voir. Même tes mains là sont foirées. Hey! Maman, l'angala vous coche. Faites un geste à la tête. Hey! Maléba Perpetu, c'est mon nom. Hey! Hey! Que même pour voilà. On dit que même pour voilà, ah, vous ne pouvez pas me donner. Merde! Vous y avez la big là. Elle coche. Elle coche ma tête cassée, la tête cassée. Ça ne sait pas votre nom. On vous appelle la tête cassée. Vous êtes le meilleur team de la toile eau. La tête cassée, les meilleurs des meilleurs de Maman Pepe. Et même l'angassé le Congo, ça, quand il dit ça, elle est contente. Elle a. Regardez. Elle bouge les pieds. Ah, allez vite, oh, c'est Maléba Pepe, tu oh. Avant 10h. Oh. Hein? Non, pas avant 10h. Avant midi, oh, je vais recevoir. Oh. Bobo. Moi, effet mondial, je vous ai posé une question. On fait quoi de ça? C'est, la question la concerne beaucoup plus. Cette question concerne les gens qui disent que je suis dans les œuvres humanitaires. Il y a certaines choses que je ne dois pas faire. Je vous dis non. Je vous dis non. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis dans les réseaux humanitaires. Ça n'a pas empêché que on me caricature comme insulte. Donne le biberon, pardon. Tu mets le biberon aussi. Donc tu avais la bouffe ici. Oui, j'ai chauffé. Aïe! Elle a la bouffe de qui? Elle bouge, elle a les pieds. Ah, Gabi, Fichou, quand tu es au Congo, ça. Donc laisse ça, pauvre. Toi aussi, je parle aux gens. Pauvre Mbengis, le litchi qui me met à terre comme ça, mon frère. Je vais clasher le litchi là bientôt. Je vais le clasher. Je ne veux pas être pauvre parce que quand je suis même pauvre là, qu'il y a trop faim là, il pose moi même mon sac, il vient rester chez toi là, il vient chop mon frère. Il est resté là-bas. Est-ce qu'il me met le problème? J'ai un problème. Il y a le champ là-bas là. Il tourne. Donc j'ai dit, j'attends la réponse depuis, on ne m'a pas encore répondu. J'attends qu'on me réponde pour que je fasse un direct spécial même. Parce que je ne suis pas, je vous ai dit, je ne suis pas Jésus. Oui, je ne suis pas Jésus. Je ne suis non plus Marie, qui est la mère de Jésus. Marie, c'est la femme que vous avez insultée là. Jusqu'à j'ai même tatoué ça ici, Marie. Voilà ça. Marie J. Marie, voilà ça. Vous avez vu, non? C'est la femme que vous avez tatouée pour vous dire que si vous voyez, je m'avais tatoué le nom de ma mère sur moi. Ça veut dire qu'elle est dans moi et que. Elle est dans moi. Donc sachez alors que je l'aime tellement que la façon que vous l'avez insultée, la même façon que vous aimez vos parents, c'est la même façon que j'aime ma mère. Vous avez compris? C'est que je suis une ampoule grillée qui n'a plus peur du court-circuit. Que quand on va insulter, je rigole. Surtout quand il sait que cette chose qu'on dit n'est pas vraie. Bon, maintenant alors, je vous ai appelé à la barre. J'ai posé des questions hier. Vous avez jusqu'à ce soir à 18h pour me répondre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que votre mère aussi est sur le territoire? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher en France? Elle est venue se soigner de quoi? Question. Elle est venue faire quoi? Deuxième question. J'aimerais bien savoir. Parce que elle a se marié aussi. Moi, je vais vous dire, je vous donne jusqu'à 18h. Si vous ne répondez pas, je vais détailler tout. Je vais tout détailler. Voilà. Là, je vais me lever, je vais faire le petit déjeuner à ma grande soeur. Tu as le dossier. Tu as le dossier médical. Oui, j'ai le dossier. J'ai tout. J'ai tout. Puisque le jour qu'elle arrive, c'est le jour qu'on entre mettre sa fille. Hors d'état de nuit, dans l'avion. C'est ça qui fait en sorte que on la laisse. Parce que on a vu, c'est une maman, on a dit non, c'est une maman, elle est malade. Il faut laisser qu'elle parte. Se faire soigner. Se faire soigner de quoi? Question.
Elle a payé le relativisme. Hey. Ma grande sœur demande si elle souffre souvent la nuit. Non, grande sœur, c'est qu'elle m'a traité bon. Elle m'a traité bon. Elle m'a bon. Elle est en plein direct. Hein. Façon. Si moi aujourd'hui là. Bon, Gabi, donne le truc ici là, le coton. C'est facile pour nettoyer le coton. Vous aimez sur la toile insulter les mamans des gens, les parents des gens. Coton-tige, non. Coton-tige. Je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on respecte nos parents. Oui. Je vais vous montrer comment on respecte un parent. Oui. Ça pique quand on insulte ta mère mal. Donc, vous allez vous réjouir. L'autre a dit que ma mère était une sorcière. Alors que sa mère la hante. Sa mère dans la tombe se retourne chaque jour. Chaque jour, sa mère se retourne dans sa tombe. Surtout qu'elle n'a pas vu qu'on enterrait sa mère. Ce n'est pas le sujet. C'est ma copine. C'est ma copine. Je suis libre d'insulter ma copine quand je veux. Et je demande que personne ne se mêle. C'est deux places. Personne ne se mêle. Personne ne se mêle. C'est deux places, le 9 et le 10. C'est le 9 et le 10. Donc, personne, je dis bien, personne ne se mêle. C'est deux copines, deux vieilles copines. C'est deux copines dans le monde. Combat des titans, comme en ce moment. C'est bon. Ok. Donc là, j'ai dit, et je redis encore, j'ai posé une question depuis hier. Qu'est-ce qu'on fait de ce dossier? Vous ne répondez pas. Vous avez jusqu'à 18h. Vous me dites ce qu'on doit faire. Et je dis bien, ce combat-là concerne deux places, ma copine et moi. Tu as dosé. Toi, tu as déjeuné. Ta grand-mère là-bas, elle n'a pas encore déjeuné. Ta grand-mère ici, elle n'a pas encore déjeuné. Tu me tournes maintenant les yeux comme ça là. Alors... Donc, j'ai dit, la question, qu'est-ce que votre mère est venue faire en France? Parce que vous avez dit une fois que elle n'a pas besoin de la France. Vos mots vont vous rattraper. Que vous-même, vous connaissez les mamans là. Elles n'aiment pas la France. Qui ne rêve pas, ben, mon frère? Qui ne rêve pas venir sentir ben, avant le bac? Je te disais chaque jour ici. Tu es française, fais venir ta mère. Fais venir ta mère. Fais venir ta mère. Aujourd'hui, tu as réussi à faire venir ta mère. Maintenant, quelle est la maladie que ta mère a? Parce que... Quel est le métier que ta mère va venir faire? Ce n'est pas parce que vous avez mon profil. Si quelqu'un me parle mal là dans mon direct, je jure que ce soit la TKC, je vais bloquer. Je suis pas... Voilà ce qui m'énerve souvent avec vous alors. Je vous ai dit, quand il y a quelque chose, appelez-moi. Ne venez pas écrire des mauvais trucs sur mon direct. Après, je vais bloquer. Vous avez dit que je suis aigri, je ne suis pas reconnaissante, je suis mal élevée. Voilà ça. Le nom là, c'est quoi? Gabi, dis-moi, je n'étais pas à l'école. Le nom, c'est quoi? Saint-Loto de Yabasmi. Tu te relis, pétasse. Saint-Loto de Yabasmi, tu t'adresses à qui? Rectification rapidement. Tu t'adresses à qui? À quelqu'un qui t'a parlé là ou à moi? Parce que c'est que Saint-Loto de Yabasmi, c'est ma TKC. Ça ne doit pas être à moi qu'elle est en train de parler. Elle parle à quelqu'un là-bas. Ce n'est pas à moi. Je sais. Parce que j'ai parlé aux enfants là que quand vous êtes fâchés, coupez le direct. Mais là, vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Je te dis, ce n'est pas à moi qu'elle parle. Elle parle à quelqu'un là-bas. Quoi? C'est une combattante mal. J'entends son nom d'abord, Saint-Loto de Yabasmi.
parle à quelqu'un là-bas. Là. Il suffit. Saloto, tu me dis seulement, il y a quelqu'un qui est à l'école, c'est un ingénieur en informatique. Je bloque, ne t'inquiète pas. Oui, tu dis seulement, on bloque. Le tout, si la mère de ma copine et moi, on va aller à l'école sous l'arbre. Il n'y a pas de problème. On va sauf qu'aller à l'école. Oui. J'ai beaucoup de yeux, hein. J'ai les yeux. Bah, c'est aussi l'autre ici à côté. Voilà l'autre ici. Tu as lavé tes fesses depuis le matin. Donc, j'ai dit que personne ne se mêle. C'est une histoire de deux places. Je demande pardon à Saloto. Excuse-moi, ma chérie. J'ai cru que tu étais énervé derrière que je chante. J'ai dit que c'est deux places. Vous m'avez interdit formellement de parler à n'importe qui, n'importe quoi. Mais moi, je vous dis là que c'est deux places. Personne ne se mêle de ça. C'est deux acteurs. Oui. Merci, ma Saloto. Merci pour les cœurs, mon bébé. Merci d'amour, mon bébé d'amour. Donc, c'est deux places. Je te demande pardon d'avoir même essayé de parler un peu fort. Pardon, ma chérie. Pardon, mon bébé. C'est deux places. Et quand j'arrive là, j'envoie d'abord une gamme. Hein? J'envoie d'abord une gamme. Merci. Merci, mon bébé. Merci pour les cœurs. Oh, tu as vu le cœur qu'elle a envoyé? Elle me fait bisous aussi. Elle m'a fait bisous. Avec le chien. Bon. Quand j'arrive d'abord pour laver le teint de la matière, je l'envoie d'abord une gamme de toilette. Oui. C'est qui Mabia? Elle insulte qui? Dites-moi. J'espère que c'est pas moi, hein. Si elle m'insulte, je m'assois sur elle. Hein. Je suis au Cameroun. Hein. Elle là, c'est les mamans. Hein. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la catégorie qui peut vous dire qu'elle est cachée. Hein. Elle tente, je m'assois sur elle, je sors tous les voix que les gens m'ont envoyées. Qu'elle n'essaye même pas de m'insulter. Elle insulte qui dit moi vite. Ce matin, c'est très chaud. Ouvrez-moi la beau-fort là-bas. Là. Patate. Elle insulte qui? C'est que je m'assois sur elle. Hein. Ce n'est pas le genre que je suis en Bénin. Je suis au Cameroun. Si c'est moi qu'elle insulte là. Qu'elle cherche à son buzz. J'espère que ce n'est pas moi qu'elle est en train d'insulter. Oh. Oui, mon bimbo. Ma fille. Pardon, fais des heures à la grammaire, là, maman, s'il te plaît. Elle a été m'insulter. Entre un peu là-bas, tu nous montres ça un peu. Il m'assoit sur elle, il me lève tout de suite. Comme il n'est pas encore lavé les dents, là. Chut, maman. Le buzz. Elle t'insulte depuis le matin. Elle m'insulte depuis le matin. même la grand-mère, si tu as l'âge de même pas de ma grande soeur, si qui est à côté de moi, hein. Toi aussi tu veux m'insulter. J'ai dit et je redis encore, toutes les femmes qui vendent le jansan challenge, venez monter vos corps. Est-ce que je mens? Ok, je fais mes pauses, ça vous fait mal où? Ok, le direct hier là, c'était le feu. Hey, j'ai dit que les gens qui vendent le jansan, qui fabriquent, qui étaient noirs avant. Et ils sont devenus clairs. Ne venez pas mentir les gens que vous vendez la crème, c'est votre crème qui vous rend comme ça. Vous mentez. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Et donc, le chien a reconnu son nom. J'ai donné les conseils hier. Arrêtez d'insulter vos clients. Voilà le chien qui a reconnu son nom, qui est en train de m'insulter. Okay. J'ai donné les conseils hier, les grandes soeurs. J'ai dit, hein, moi, je suis commerçante. Moi, j'ai des clients qui se plaignent. Mm-hmm. Mais il faut savoir parler au client. Quand je dépense mon argent, mm-hmm. hein, je ne suis pas satisfait. Je viens vers toi. Tu m'insultes? Hey, comment? Et moi, j'étais noir. D'abord, vous-même, vous voyez mes soeurs. Tout le monde est noir chez nous. Mm-hmm. Avant de faire. Maintenant, j'ai mis mes photos avant et après. Mm-hmm. Elle est Cateron. Elle est comme le père de Rita. Mm-hmm. Elle est nature comme ça là. Comme ça. Et maintenant, elle vient doubler, sonner les gens en disant que c'est sa crème qui rend les gens comme ça. Que mm-hmm. c'est elle-même qui l'a rendue comme ça. J'ai donné le conseil. Maintenant, elle vient m'insulter. Elle m'insulte, je m'assois sur elle propre. On clash. Et ça te fait le buzz encore. Parce que moi, je suis le pape. Je suis le 10. Donc si tu veux que je te donne. T'as dit comment t'as des fabriqués de l'autre côté. Moi, je te refabrique. Et tant que même parce que j'entends, je vois que tu m'as insulté. Ouais. Je m'assois sur toi parce que j'ai des clientes pleines que j'ai rattrapées. Tu as gâté la peau d'une de mes tantes en Allemagne. Ne tente pas avec moi. Ne tente pas. Gâter la peau sous les seins comme ça. Là. Mm-hmm. Ça a brûlé. Le cou comme ça. Ça a gâté. Tendez la main et vous faites la santé. Parce que là.
Oh, ma belle maman. Sinon, on va faire la capture. Hop. C'est qu'elle m'assoit sur elle. Comme elle boit le verre là, non. C'est que quand tu bois comme ça, genre, ça te touche. Tu peux pas aller jusqu'à. Comment tu dis-tu le dire? Il peut voir. C'est sur quoi? Dites-nous le nom. On peut regarder. Il voit comment elle m'a insulté. Je mets ça en direct là. Il insulte propre. Oui. Elle est pas loin d'être ma mère. Hein. Que j'entends là qu'elle vient aussi m'insulter là. J'ai fait un direct hier. J'ai fait mon challenge. J'ai dit. Donc ça veut dire que ma soeur Marie Larose aussi va m'insulter. Marie Larose aussi vend les crèmes. Il y a beaucoup, il y a beaucoup là qui vendent les crèmes. Voilà. J'ai donné un conseil en disant ceci. Que j'ai vu les photos de Marie Larose avant et après. Quand on dit que tu as fait le Njansan, que tu vends le Njansan, que c'est le Njansan qui t'a rendu comme tu es là. Mm-hmm. Hein? Moi, c'est mon Njansan qui me rend clair. Mm-hmm. Je ne suis pas Katero. Nangala est Katero. Elle te dit qu'elle est comme le mari de Solange. Mm-hmm. Non, elle est naturellement brune. Ouais. L'enfant, à propos, moi, elle m'a tiré le pain. Tu veux suivre hey! Hey! Tu veux que les choses dans Bobo soient dehors? Les vieux saints de Tambongo. Yébéyé. Wanango. Jamnale. Elle a nongo. Po, l'égbéimbon. Po, elle a gâté le coin, mon frère. C'est bien, il est donné le matin. Depuis deux jours, je n'avais pas fait caca. Elle était constipée. Attendez, je vais porter un petit truc. Hein. C'est grave. Elle a gâté le coin. Il faut tout enlever. Tout. Attendez deux secondes. Bombo. Il y a un bonbon. C'est très grave. Mm-hmm. Bon boyama. Tu as alors fait fort. Pardon. Et ça t'amuse, hein? Oh, le gang là. Bon beau. Tu as fait fort. Elle a gâté tout. Elle a gâté le poids. C'est grave. Pardon, donnez-moi le gang là. Tous les draps sont sales. Tiens. Ça, c'est quoi ça? Il faut enlever directement le drap là. Oui, il faut enlever. Bon, Gabi, il y a bien le drap là, s'il te plaît. Et ma fille, là, elle a fait ça une fois. Oui, elle a fait ça une fois. Moi, elle m'a fait mon direct. Merde. Bombo. Bon, élevé. Bombo a gâté le coin, mon frère. Oh, tu enlèves aussi la bille là, non? Mais bien sûr. L'angassé, tu es venu mon tocard, ils sont en direct, mon frère. On t'a envoyé. Il veut le moi. Elle était constipée depuis hier, en fait. Popo, j'étais pas dit. Alors, Carlos. Lave-la rapidement avant de la changer parce que c'est grave. Très, très grave. Je voulais la laver après, non? Non, elle la lave. C'est pas elle qui la lave, c'est moi qui lave ma grand-mère. Non, c'est pas elle qui la lave. Dès que je suis là, vous n'avez pas trouvé ce qu'elle vous a dit là, Gabi? Ah oui, enlève les draps là, s'il te plaît. J'ai dit oh, hier, yeah, j'ai donné les conseils. Elle n'est pas beaucoup. Elle n'est pas beaucoup. Tous les entreprises.
Mais la cellule sur ses fesses, elle peut te lâcher là sur toi. Yeah. J'ai fait mon challenge. J'ai dit ceci. Que toutes les femmes, même les hommes qui vendent l'huile, doivent venir nous présenter leur challenge. J'ai fait mon petit challenge ici là. Pourtant, moi, j'ai calculé, fait ça le maillot de bain. J'ai fait comme ça là. Hey! Donc, ça vous a fait mal, oh. Le chien a reconnu son nom. Parce que si j'insulte maintenant, je parle. Quand il parle, on sait que tu parlais de telle personne. Pourquoi ce n'est que elle qui vient riposter? Pourquoi ce n'est que elle qui vient riposter? Ça veut dire qu'elle s'est sentie concernée. C'est pour ça qu'elle a riposté. C'est pas sa grande soeur. Oui, c'est ça. Quand je passe un message et qu'il y a sur un message, il y a 30 personnes qui font le même métier que moi, que je suis en train de parler, et qu'il y a une personne qui va riposter, ça veut dire que cette personne se sent concernée. Alors elle se sentit concernée. Et si elle se sent concernée, ce que je dis est vrai. Je n'ai pas envie d'entendre que j'ai clashé avec toi ou je ne sais pas. Non, on n'est pas de la même catégorie. Vous êtes des grandes femmes d'affaires du Cameroun. Moi, je suis une petite femme d'affaires qui est en train de commencer dans le business. Alors, vous avez déjà fait beaucoup de thunes dans ça. Vous avez déjà bien sucré parce que je me rappelle quand moi je commençais. Quand je disais que ma gamme, je fais ma gamme, mes 500 millis, je faisais 500 millis à 250 euros. 300 millis à 150 euros. On me dit, tu es malade, tu sais combien la femme la vend? Quoi? En plus, quoi? J'ai dit que non, je ne fais pas la compétition avec quelqu'un. Chacun a sa chance dans le commerce. Elle peut vendre à 500 euros. Moi, elle vend pour moi à 200. C'est le résultat qu'on attend. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne peux encore me vanter. Personne ne sait encore plein que ma crème a fait que ça a fait que. Parce que moi, je mets ça sur moi. Et je vous ai dit que quelqu'un qui fait le Janssen ne peut pas être parfaitement parfait. Il y a toujours des petits coins rebelles. Et c'est pour ça que j'ai lancé le challenge hier. Que bon, venez donc. Maintenant, ce n'est pas que tu es Catherine, parce que je peux dire aussi que Christelle, ma nièce, parce que ma nièce, sa famille, il vient des gens, il y a les Catherine chez eux beaucoup. Ils ont des albinos. Donc je peux aussi dire que, donc, je peux aussi prendre une de mes belles filles là. J'ai dit que c'est ma crème qui l'a rendue comme ça là, alors que ce n'est pas vrai. J'ai ma nièce même, que vous connaissez aussi, la mère du bébé si. Qui est clair de peau. Je peux aussi l'utiliser, dire que c'est ma crème qui l'a rendue comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que non. Toutes les femmes qui vendent de la crème. Le challenge, mais on lance le challenge ici tout le temps. Non? Pourquoi le challenge, ça a fait mal comme ça là? Je montre encore. Regardez, quand on regarde, on sait que je mets le Janssen. Parce qu'on voit légèrement. Là, on sait que je mets. Mais si elle vient faire ça, c'est parfaitement parfait. Pourquoi? Parce qu'elle est carteronne. Voilà. Est-ce que j'ai peur de dire ça? Donc, si elle vient me clasher, c'est parce qu'elle sait qu'elle a fait des bêtises. Oui. On dit que tu as la gueule. Avec toi, je veux aussi avoir une petite gueule. Hein. Une gueule propre, hein. Pas une gueule sauvage, pas une gueule voyou, pas une gueule vulgaire. Hein. Je vais te donner la gueule des pros. Les pros du commerce. Oui. Parce qu'il faut savoir entretenir le client. Il ne faut pas insulter le client. Je ne peux pas dépenser mon argent. Je t'appelle, je te dis que ta crème a fait ça. Il me dit que non, arrête de mettre, fais comme ça. Moi, j'ai une fille qui m'a envoyé les photos l'autre jour. Les quintos l'ont blessée ici. Les quintos l'ont blessée parce qu'elle n'avait pas vraiment de problème à ce niveau-là. Elle n'avait vraiment pas de problème à ce niveau-là. Attends, je vais vous montrer un exemple. Donne-moi un peu ta main ici. Ta main seulement. La main, en fait. Voici l'endroit où il y a sur les quintos. Ça, il est velu et il est seulement trop velu. L'endroit où il y a les quintos, c'est ça. Hein? Si ça tombe sur un endroit comme ça, qu'il n'y a pas de problème de quinto, toi tu viens mettre le produit dessus, ça va te brûler, ça va te blesser. Parce que c'est un produit qui attend la crotte là, la crotte de l'huile. Parce que l'huile est venue se réfugier là et ça va te blesser. Donc la petite, elle a mis parce qu'elle veut avoir les mains parfaites, parfaites. Donc ça a brûlé, ça l'a brûlé. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ma chérie, quand je regarde avec tes mains, tu n'as même pas de problème. Tu n'as pas de problème, tu n'as même pas à prendre ça. Mais bref, utilise l'huile de palmiste ou l'huile de coco. Arrête le produit, mets ça de côté d'abord. Maintenant, je vais donner un autre conseil. De prendre comme elle, si elle veut que ses mains soient plus... Je lui dis peut-être, utilise. Si ça, je ne veux pas l'insulter. Je ne veux pas lui dire que, dis donc, ce n'est pas mon produit qui t'a fait ça. Ce n'est pas vrai. Pourtant, si quelqu'un ne veut pas venir inventer que ton produit m'a blessé. J'ai dit que j'ai une cliente que le quinto a blessé parce que c'est un produit qui est fort. Donc, quand ça tombe sur un endroit qui est propre, qui n'a pas besoin de ça, ça te blesse. Alors, elle m'a appelé, elle m'a envoyé les photos. Je vais me mettre à l'insulter. Mais vous, là, parmi vous, là, beaucoup de commerçantes, là, vous insultez les clients.
Parce que j'ai des clientes qui se sont plaintes. J'ai des clientes qui m'ont envoyé des voice où j'entends où vous êtes en train de les insulter. Envoyez les cœurs, on est en train d'envoyer les têtes de mort là. L'égbe, tu me dis, je bloque ça. Direct. Parce que quand on envoie, comment tu vois là-bas qui a envoyé. Donc, moi, j'ai fait mon challenge hier. Hein? Chacun a sa façon de faire sa pub. Oui. Chacun a sa façon de faire sa pub. Connexion n'est pas comprise. Qu'elle va. Non. Je peux être. Je peux. Comme là, mon challenge, le prochain challenge, quand je viens du mariage, je me mets en maillot de bain. En maillot de bain. Feu à volonté. C'est tout. Donc, j'espère bien que c'est une fausse information. Que tu t'es pas dérouté pour m'insulter. Parce que si tu m'as insulté, je veux prouver à part A plus B que tu es carteronne. Tu n'es pas, ce n'est pas ton genre sang qui t'a rendu clair. Oui, faut dire la vérité. Ce n'est pas ton genre sang qui t'a rendu clair. Il m'a dit, je ne manque pas. Accroché, bleu, vert ou rose. Hein, demande ça que si je prends ces habits-là. Il ne manque pas. Chez nous, n'ayez les mouatés. Il n'y a rien même. Donc, chez nous, nous sommes tous noirs. Je suis la seule métisse de la famille maintenant. Bon, hormis de mes nièces. Donc, moi, il dit que. Mon boss a relevé son challenge. J'ai relevé mon challenge. Yeah. Oui. Il faut regarder. Là, quand ça vient là. J'ai relevé. Oui. Je n'avais pas le show. Laine. Je n'avais pas le show. Je n'avais pas le. Je ne pouvais pas prendre le maillot de bain. J'ai improvisé. J'ai dit que challenge. Bam bam. Est-ce que j'ai eu honte que mon ventre ou quoi que ce soit? Non. J'ai le Big Belay maintenant. C'est facile au pays, mon frère. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Le ventre pousse le jonc. Entre temps, j'entends que. J'ai donné des conseils. C'est très normal. Vous voulez que nous tous on joue à ça? Que je ne vais pas prendre mes métis que j'ai dans la famille pour dire que c'est moi qui les ai rendus comme ça? C'est faux. Tu es honnête. C'est faux. On dit avant et après. Tu es carteronne. Tu viens dire aux gens que. Les gens disent que. Parce que moi, ils disent souvent, quand mes clients t'appellent, ils disent que maman, pépé, on va avoir ton teint. On ne veut pas être plus que ça. On va avoir ton teint. Ils disent, si tu. Mon teint que tu veux, alors, c'est bon, puisque ce que j'utilise, c'est ce que je te fais. On envoie trop les têtes de mort, là. Je ne sais pas où la TKC est. Mais on envoie un peu trop les têtes de mort. À la fin, je ne comprends pas. Toutes ces vieilles machins-là veulent toujours prononcer mon nom. Moi, je ne les appelle pas chouette. Ces vieilles rococo là, ces vieilles qui ont raté leur vie, vieilles mères là, vous me voulez même quoi la femme? J'ai parlé hier, j'ai prononcé le nom de quelqu'un. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? C'est la seule qui vend le jansan. Il y a une autre même qui est ici aussi au Cameroun, qui est installée ici au Cameroun, qui est connue. J'ai au moins trois de ses clientes, trois qui se sont plaintes. Elles disent qu'elles appellent, on ne leur prend même jamais. Et quand on leur prend, même on leur dit toujours qu'occupés ou fatigués, ou on les envoie balader. Mais est-ce que j'ai parlé? Je n'ai jamais. C'est quoi? Pourquoi vous vous sentez morveuse? C'est la seule qui vend le gens, hein? J'ai dit que j'ai ma tata qui est en Angleterre là. Elle est infirmière. Son mari lui a dit de porter plainte. La personne qu'on dit là qu'elle m'a insulté là. Son mari lui a dit de porter plainte parce que elle l'a. Sous les seins, ici comme ça, là, elle a, ça l'avait fait. Ici comme ça, là. Mais quand elle vient à Paris, elle m'achète des gammes et des gammes. Elle prend beaucoup. J'ai un jour parlé de ça. Non. Je suis venu un jour, je m'en donnais conseil que vous, les commerçantes, là, sachez comment vous parlez à vos clientes. N'insultez pas vos clients. Ce n'est pas que. Donne la crème là-bas, là. Lui, le palmiste, là, il est tout là. Comme il fait un peu. Un petit courant d'air. Donne aussi l'autre, là. Non, est-ce que j'ai mal parlé, mes amours? Non, dites-moi, pour de vrai, est-ce que j'ai mal parlé? J'ai pas mal parlé.
J'ai donné des conseils. On apprend tous les jours. Le client est roi. C'est vrai qu'il y a les clients qui... maman. Il y a les clients. Moi, j'ai les clients qui essaient qui viennent souvent du camp d'en face. Comment ça me poser des questions stupides et bêtes. Je suis quand même là. Je réponds. Un moment, quand je suis fatigué, je fais la passe à mon père. Mon père aussi répond. Il répond. Quelqu'un te dit que tu fabriques tes produits avec quoi? Tu as mis quoi dedans? Tu les gens te posent des questions qui t'énervent, même que te poussent à bout. Mais non, comme je sais ce que je veux, je prends, je maîtrise, je laisse tranquille. Je réponds poliment et posément. Mais je sais que cette personne a envoyé me tenter. Mais quand on fait le commerce, il faut être patiente. Vous vous levez, vous avez vendu, vous avez eu un peu de dos. Vous voulez gueuler les gens parce que vous avez vendu il y a 3-4 gammes. Pour une gamme peut-être, vous voulez manquer de respect à quelqu'un. Non, ce n'est pas comme ça. Mon frère, paie mon argent, tu veux manquer de respect. N'essayez de voir maintenant comment est-ce que les gens viennent se plaindre là-bas que, oh, tel n'a pas à faire ci, ça, ça, ça. Bientôt, je sais que moi, bientôt aussi, les gens vont aller se plaindre aussi pour les, dans les émissions, pour dire que j'ai fait ci, ça, ça, ça. Mais moi, il y a des gens qui sont venus se plaindre chez moi plusieurs fois. J'ai même des voices. Mais jamais je n'ai fait une directe pour dire que telle personne a fait ci, ça, 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 ça. Je dis toujours parler bien à vos clients. Bon, je vais couper le direct parce qu'on envoie un peu trop les têtes de moi. À plus tard, je vais mener mon enquête. Si c'est confirmé, je m'assois sur elle. Voilà. Bisous à tout le monde. Et puis, ciao, ciao. Je vais m'occuper de... Bon, j'ai des choses à faire. Ciao.